Bien, bonjour à tous. Alors, je suis désolé, j'ai pas fait de vidéo depuis longtemps. Tout simplement parce que bien occupé par pas mal de choses. Donc, je vous fais une vidéo aujourd'hui pour vous dire que ben, il y a beaucoup d'événements qui arrivent. Entre autres, vous pouvez nous retrouver avec les membres de la Fédération Fauve et avec les membres donc des associations rattachées à Fauve, ce week-end sur les autoroutes du réseau APRR et AREA, j'arrive pas à le prononcer, je suis désolé. Donc sur les aires de Mâcon-Saint-Albin, sur l'aire du Jura, sur l'aire de l'île d'Abeau. Et moi, je serai personnellement ce week-end avec mon binôme sur l'aire de Romagneux, sur la 43. Donc, si vous avez des questions sur la mobilité électrique, tout ce qui concerne le véhicule électrique, n'hésitez pas à venir nous rencontrer à cette occasion. En plus, il y a un petit jeu d'organiser où vous avez des petits cadeaux à gagner. Et c'est toujours sympa de repartir avec un petit quelque chose pour les vacances. Voilà. De plus, j'ai créé une page Facebook parce que comme je suis moins libre pour faire des vidéos et que manifestement les vidéos c'est pas mon truc. Il y a des gens qui font des vidéos de présentation de véhicules beaucoup mieux que moi, hein, donc je vais les laisser faire. Moi j'ai pas assez de matériel pour le faire, soyons francs. Vous avez des gens, enfin je vais pas citer les chaînes, vous les connaissez tous, hein. Je veux pas faire de préférence, mais vous les connaissez tous, les chaînes qui font des présentations de véhicules. Donc moi j'ai créé une page Facebook. Alors c'est un groupe privé. Je suis le seul administrateur du groupe, c'est-à-dire que les gens qui sont sur ce groupe sont des gens que j'ai personnellement validé pour accéder au groupe. Et sur ce groupe, vous allez retrouver un petit peu tous les articles de presse concernant le véhicule électrique. Vous allez retrouver les informations concernant la Fédération Fauve, les événements de la Fédération Fauve, les événements qui vont avoir lieu dans la région en Ardèche. Donc, je ne peux pas vous annoncer encore de date à l'heure actuelle, mais il y a des choses qui vont avoir lieu en principe au mois de mai en Ardèche. Sachez d'ores et déjà que le week-end de l'Ascension, il y a un événement organisé par Z2 Provençaux, donc en Provence, qui est une balade et puis une réunion, un petit peu un dîner entre électromobilistes. Donc vous retrouverez les informations concernant cet événement sur la page de Fauve. Donc la page c'est www.fauveffauve.org et vous retrouverez là tous les événements en liaison avec Fauve. Pour ce qui est de la page Facebook, donc le groupe privé, le véhicule électrique en Ardèche, alors c'est tout, hein, le véhicule électrique en Ardèche, tout écrit. Groupe privé, donc accessible uniquement aux gens qui en font la demande. Sur cette page, comme je vous le disais tout à l'heure, vous retrouverez la presse, on va dire, concernant les informations du véhicule électrique, les manifestations qui seront ou qui sont en train d'être organisées par les concessionnaires ardéchois, par différents groupes ici en Ardèche, donc les informations de la Fédération Fauve qui concernent toutes les associations sur toute la France.
Avec tous les événements, il y a aussi qu'il va y avoir au mois d'avril, si je ne dis pas de bêtises, vous allez avoir le salon ICAP au Cap d'Agde. Donc ça, ben, des infos bientôt. L'inscription a été validée, si je me souviens bien, par le e-France Café. Donc il y aura bien du monde présent de l'association e-France Café, de l'association et des associations de fauves à ICAP. L'occasion de nous retrouver là aussi. Et puis oui, n'hésitez pas cette semaine, si vous passez sur le réseau d'autoroute APRR, eh ben, n'hésitez pas à venir nous voir, aussi bien sur l'aire de Mâcon que sur l'aire du Jura ou sur l'aire de l'île d'Abeau. Et je vous dis, moi je serai présent donc à l'aire de Romagneux samedi matin à partir de 8h30. On sera là sur place jusqu'à 15h. Donc n'hésitez pas à venir nous retrouver si vous avez des questions, des interrogations sur le véhicule électrique. On sera heureux de vous recevoir et de vous répondre. Et par la même occasion, eh ben, il y aura des petites choses à gagner. Alors, rien de très exceptionnel, mais bon, un petit quiz, vous répondez au petit quiz et vous avez un petit cadeau pour repartir. Voilà, je vous remercie à toutes. Excusez-moi à tous et à toutes. Excusez-moi encore de moi être présent sur la page YouTube du VE en Ardèche, mais bon, plein de choses à organiser et plein de choses à faire. Je suis beaucoup moins disponible. Alors, beaucoup moins disponible pour des vidéos. En plus, je vous dis, il y a un tas de gens qui font des vidéos et qui les font très bien. Je ne cite pas de nom, mais vous les connaissez tous, hein. Les deux font la paire, Didier, qui sait que je peux vous dire encore, la chaîne EV, voilà, il y a plein de gens qui font des choses très très bien. Il y a E-Tech Alsace aussi qui fait des choses qui sont sympathiques. Donc il y a beaucoup 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 de chaînes, donc un peu moins de vidéos sur la chaîne Le VE en Ardèche. Alors la chaîne ne ferme pas pour autant, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne YouTube, mais le gros des informations que je diffuse maintenant sont via la page Facebook, donc le groupe privé Le Véhicule Électrique en Ardèche. Et je suis un peu plus présent sur la page Facebook que sur YouTube. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous. Je vous dis au plaisir de vous retrouver ben, sur la page Facebook. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. N'hésitez pas à adhérer, enfin à demander, à me lancer une invitation pour la page Facebook. Et ben, ce sera avec plaisir que je vous recevrai sur cette page Facebook. Alors, le principe de cette page, c'est que à partir du moment où les commentaires sont intéressants et constructifs, et ben, ils resteront. Si les gens sur cette page postent des conneries ou ce que je considère être des conneries, et ben, le message sera supprimé et la personne sera bannie de la page Facebook. Parce que je veux un groupe où on puisse discuter sereinement de véhicules électriques. Alors tous les avis sont les bienvenus. À partir du moment où ils sont constructifs et où ils font avancer le schmilblick. Si c'est pour balancer des messages de merde, ne vous emmerdez pas, c'est pas la peine de venir. Vous serez bloqué et il n'y aura rien du tout et vous aurez perdu votre temps. Voilà, bonne journée à tous, au plaisir de vous revoir et puis ben, à la prochaine sur la page donc Facebook et éventuellement des petites vidéos de temps en temps. Voilà, bonne journée à tous, au revoir.